Voor het Zwarte Zalt dan, daar was de uitdaging dat we moesten starten, maar we wisten niet in welke kleur. En op een gegeven moment hebben wij echt gezegd, als jullie laarzen willen, moeten we nu starten. Maar niet alle beslissingen waren al genomen, dus dan hebben we daar samen een oplossing voor gezocht. En ja, dat moest dus redelijk snel gaan, dus die zijn eigenlijk technisch in elkaar gestoken, zodat die op 2 dagen kunnen gemaakt worden. Pour que ça s'atteigne, on a fait les chapeaux pour tout le chœur et pour les solistes, et on a fait les décorations de tous les costumes de chœur, les costumes un peu poupées russes. Ils ont fait la structure et nous, on a découpé des éléments qu'on a recollés sur les costumes pour faire des faux brambours, des décorations sur les manches. C'est du tissu qui a été moussé, c'est du tissu qui est collé sur de la mousse. C'est ça qui donne le côté un peu rigide et souple en même temps. Er waren maquettes met lange gewaden en korte. We hebben dan beslist om voor de langere geen schoenen te maken, maar schoenen met stok te gebruiken, omdat we toch ook altijd proberen van ja, de impact zo laag mogelijk te houden. Voor de kortere gewaden hebben we dan beslist om schoenen te maken. Dan wordt er een patroon getekend en dan wordt die uitgesneden, in elkaar gestikt, gemonteerd. Nu moeten we vooral zien dat alle schoenen terug mooi zijn. De originele cast van de solisten is redelijk hetzelfde gebleven, dat is een groot geluk. Maar het koor is wel veranderd. En ja, daar zijn er wel een paar die we moeten bijmaken of aanpassen. Les ajustements, ça peut aller. Si on doit agrandir, on peut agrandir jusqu'à 2 cm maximum. Rétrécir, ça c'est jusqu'à 3-4 en rajoutant des mousses. Mais si on doit faire plus grand, si on doit faire à 60 alors qu'il n'a que 55 de tour de tête, ben, on doit faire un nouveau chapeau. Il n'y a pas de choix. C'est un spectacle très réussi. L'utilisation des costumes est très bien faite et le mélange des solistes qui bougent pendant qu'on fait des projections sur scène, c'est vraiment merveilleux, je trouve.